Eh bien salut à tous, c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un titre que j'ai longuement joué puisque ça fait quasiment un an que je l'ai, un titre sur lequel j'ai participé à l'alpha, à la bêta et également à l'early access, un titre sur lequel je me suis vraiment régalé puisque j'ai eu un contact privilégié avec les développeurs via Facebook et via mon adresse mail. Ça a vraiment été une early access des plus intéressantes avec un jeu qui a énormément évolué au cours de cette early access. Ils ont vraiment écouté la communauté et tout... les petites remarques qu'on a pu faire, ils ont vraiment amélioré le titre. On en se retrouve donc aujourd'hui avec une version 1.0 sur PC et également une sortie sur console, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Nous allons donc dans cette vidéo faire un petit peu le tour d'aperçu du jeu, pas un test complet dans le sens où je vous en ai déjà proposé un test et j'en avais également proposé des lives précédemment sur la chaîne, mais donc aujourd'hui je tenais à faire cette petite vidéo d'une première part pour remercier les développeurs pour cette année d'Early Access sur lequel franchement je me suis vraiment éclaté, et d'autre part pour présenter le titre pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc c'est un roguelike, qui dit roguelike dit beaucoup de morts, c'est un jeu dans lequel les premières heures vont être compliquées puisqu'au tout départ du jeu vous n'aurez qu'une seule lame et au choix un bouclier ou un arc. Par la suite il faudra débloquer de nouvelles armes en trouvant des parchemins, en tuant les ennemis. On aura également la possibilité, et c'est pour ça qu'on l'appelle un petit peu un Metroidvania également, on aura la possibilité de débloquer certains attributs pour notre personnage, comme la faculté de courir contre les murs, la faculté d'avoir une liane en fait, qui va nous permettre d'emprunter des passages qu'on n'aurait pas pu emprunter sans l'avoir. Et donc c'est pour ça que c'est un titre qui est vraiment intéressant, alors dans le sens où on va effectuer différentes runs, c'est un titre dans lequel nous allons beaucoup mourir, c'est un titre qui est développé, les niveaux sont des niveaux qui sont générés aléatoirement, donc on ne retombera jamais deux fois sur le même niveau. On a quatre types d'environnement dans lequel on aura quatre boss qu'il faudra battre bien évidemment, avec des patterns et des combats qui sont relativement soutenus, je ne vous le cache pas, c'est pas un titre qui sera simple, mais avec de la persévérance, une fois qu'on aura bien compris les mécaniques et qu'on aura bien assimilé les possibilités d'esquive ou de parade via un bouclier, ça va vraiment être quelque chose qui va être très 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 nerveux à jouer et vraiment très intéressant. On va passer maintenant du côté des consoles, puisque je vais vous parler un petit peu de la version Xbox One et de la version Switch, qui sont les deux versions que j'ai reçues en clé pour pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Donc concernant la version Xbox One, aucun problème. On a vraiment un portage qui est identique à la version PC. Aucun problème, à la seule différence que les versions consoles n'intégreront pas les mods, puisque sur console on est dans un écosystème un petit peu fermé, et donc du coup on n'aura pas les mods comme on peut avoir sur PC via le Steam Workshop. Il y a une autre chose qui est absente des versions consoles, mais c'est assez logique, c'est une fonctionnalité qui est apparue directement avec la version 1.0, et je vous mettrai le lien dans les détails de la vidéo afin d'accéder à la VOD du live qu'avait fait Exerve à ce niveau-là. C'est une intégration Twitch qui va permettre à vos viewers de participer à votre jeu. Alors on aura par exemple la possibilité via des commandes qu'on va lâcher dans le chat de Twitch de devenir un petit poulet qui aura en charge d'utiliser les potions de soins. Et donc du coup ça ne sera plus vous qui utilisera, ce ne sera plus vous qui utiliserez vos propres potions de soins, ce sera le viewer qui aura, après un tirage au sort, été sélectionné comme étant la personne en charge des potions de soins, qui les utilisera, donc il sera symbolisé par un petit poulet. Ils auront également la possibilité de vous afficher des messages en jeu si jamais vous avez fait une belle action ou des choses comme ça. Ils auront également la possibilité de vous indiquer quelle porte vers un niveau ils choisissent en fait. Ils vont choisir par exemple s'ils veulent que vous alliez à la promenade des condamnés ou aux égouts infestés, c'est eux qui choisiront l'endroit vers lequel ils souhaitent que vous vous dirigiez. Ils auront également la possibilité de choisir dans les parchemins qu'on trouve au niveau du jeu si votre personnage sera agrémenté d'un parchemin de brutalité, de technique ou de survie. Et donc c'est vraiment une intégration qui est des plus sympas, mais qui ne sera pas disponible sur console. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette intégration Twitch, je vous mettrai le lien dans les détails de la vidéo de la VOD qu'a fait Exerve en live sur Twitch en testant donc ces fonctionnalités. Pour revenir plus particulièrement à la version Switch, c'est la version qui a sûrement nécessité le plus de travail au niveau du portage pour les développeurs, puisque la Switch est quand même bien moins puissante qu'une Xbox One ou qu'une PS4, et donc du coup c'est la seule console sur laquelle on aura de temps à autre de petits drops de FPS. Alors ça arrivera assez rarement,
je tenais quand même à vous le préciser, c'est quand même une console où on est sur un Tegra K1, un Tegra X1 pardon, et donc du coup on est sur quelque chose qui est beaucoup moins puissant que ce que peut être une Xbox One ou une PS4, et donc quand l'écran est vraiment chargé de beaucoup d'ennemis et qu'on se met à en tuer plusieurs en même temps, par exemple avec une grenade, ben oui, on a de temps à autre quelques petits drops de framerate. Alors voilà, c'est pas méchant, mais ça fait partie un petit peu de la réalité. J'ai envie de dire, la console est quand même moins puissante que les autres plateformes, mais elle a la capacité de vous offrir le jeu en version portable, et ça c'est quelque chose qui est juste fabuleux, puisque emmener ma partie de Dead Cell dans mon sac quand je suis en vacances, quand je suis en camping ou dans des choses comme ça, j'ai trouvé ça juste fabuleux d'avoir ce titre avec moi en permanence dans mon sac. C'est juste quelque chose de génial. Voilà, bah écoutez, désolé si cet été aura pas été vraiment fourni en termes de vidéos. Ceux qui me suivent de très près et qui vont sur Facebook le savent, j'ai pris un strike sur la chaîne au début du mois dernier lorsque j'ai présenté le SX Pro. Donc bah, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, j'ai envie de dire, hein. Lorsque l'on s'amuse à présenter des articles qui sont pas forcément 100% légites, eh ben, on prend le risque. Moi personnellement, je partage ce qui me plaît et je partage ce que j'ai envie de partager, donc j'ai pris le risque. Je vous avais donc présenté une vidéo du SX Pro qui a été retirée suite à une plainte de copyright de la Belgian Fédération Anti-Piracy, quelque chose comme ça, enfin voilà, des casse-couilles, puisque je suis ni belge ni résident en Belgique, donc je sais pas trop pourquoi ils ont réussi à avoir ça, et donc du coup ma chaîne était bloquée, je ne pouvais plus uploader de vidéos durant quasiment 3 semaines. Donc voilà, ça m'a un petit peu énervé, mais bon, c'est le jeu du chat et de la souris. J'ai réussi à récupérer ma chaîne, entre guillemets. La vidéo, elle, pour sa part, reste quand même bloquée, mais c'est pas très grave. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous en dire. Je remercie une dernière fois au passage les développeurs du titre. Je remercie également au passage mon ami Astaroth qui m'a fourni quelques images de la version PC, puisque lui, il a poncé le jeu vraiment dans tous les sens. Moi, j'y ai beaucoup joué. Et lui, il lui a quand même mis quasiment 160 heures dans cet Early Access. Donc du coup, je tenais à le remercier de m'avoir passé quelques images de sa version PC. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite, comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, à ciao les amis.